Fils et filles du bon Dieu, bonjour, salut de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous pour ce jeudi dans l'octave de Pâques, année liturgique B. Le Christ est dans la gloire. Il accomplit les Écritures en notre faveur. D'abord les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 3, versets 11 à 26. Dieu a glorifié Jésus. Oui, Dieu a accompli les Écritures. Les apôtres en témoignent par leurs actes et leurs paroles. Des disciples vraiment fidèles à l'enseignement de Moïse seraient les premiers à accueillir le salut offert par le Christ et à tous les hommes. Oui, aujourd'hui, Pierre, une fois de plus, s'adresse au peuple. Pierre a le courage parce que la résurrection a transformé sa vie, fils et fille du bon Dieu. Le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, c'est toujours lui qui prend la parole au nom du groupe des disciples. Il va maintenant expliquer le miracle qu'il vient de faire au profit du boiteux. Oui, Pierre ne fait pas le malin, fils et fille du bon Dieu. Il se fait pécheur, il n'y a pas si longtemps qu'il renie son maître. C'est tout récent, mais son pouvoir n'est pas le sien. Il a entre les mains un pouvoir qui lui vient du Christ. Il se reconnaît homme pécheur, pas plus pieux et saint qu'un autre. Oh, quelle attitude d'humilité, fils et fille du bon Dieu. Très souvent, il y en a aujourd'hui qui font des plus ou moins entre guillemets des miracles, qui se disent c'est son tenon, c'est le Seigneur qui agit encore dans notre monde aujourd'hui. Et c'est le moment de reconnaître la grandeur de Dieu et non de faire des ngounda, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Non, fils et fille du bon Dieu, l'homme n'est rien, Dieu c'est tout. Oui, Dieu a donné sa grâce en chacun de nous. Oui, être intermédiaire de la grâce, laisser passer par nos vies les bienfaits que Dieu veut donner pour nous, par nous, fils et filles du bon Dieu. C'est cela, un ministère. Or, les ministères sont nombreux et variés dans l'Église, fils et filles du bon Dieu. Oui, prince de la vie, un titre peu habituel pour parler de Jésus. Saint Pierre en parle. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Oui, c'est lui qui vient spontanément aux lèvres de Pierre. La résurrection est encore toute proche. C'est elle qui a marqué les apôtres. C'est elle qu'ils prêchent sans arrêt. Jésus, prince de la vie, le victorieux, le vivant par excellence. Donne-nous cette vie parce qu'il veut emmener chacun de nous vers sa victoire, fils et fille du bon Dieu. Oui, la résurrection du Christ est une puissance de vie, une joie de bondissement. Oui, le bond de l'homme qui n'avait jamais marché depuis sa naissance et qui surgit soudain est le symbole de l'humanité sauvée. La guérison que Pierre est en train de réaliser à cet homme malade, c'est la résurrection, la restauration de tout un chacun de nous. Oui, chaque fois que je sors d'un péché, que je sois cette joie-là, fils et fille du bon Dieu, c'est en effet le péché plus que la maladie physique qui abîme l'humanité, qui abîme chacun de nous, qui paralyse chacun de nous. Mais le Seigneur est venu pour nous relever, fils et fille du bon Dieu. Oui, c'est toujours l'évangile qui se poursuit. L'évangile de l'annonce de la bonne nouvelle. Oui, pardonne-leur, disait Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, vous êtes pardonnés, dit Saint-Pierre, parce que vous avez agi par ignorance. C'est le pouvoir de lier et de délier qu'il met en œuvre. Un pouvoir que Jésus leur a donné. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et c'est ce pouvoir-là que le Seigneur a donné aux prêtres, fils et filles du bon Dieu. Oui, le pardon, c'est le temps de réconfort. Admirable formule encore. Oui, repentez-vous, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Effacez de mes yeux vos péchés à travers la pénitence, nous dit le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. À travers ce temps favorable de la résurrection, nous sommes appelés à renaître, à revivre une relation nouvelle avec le Seigneur. Oui, fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin, Luc le chapitre 24, versets 35 à 48. Oui, comme les disciples d'Emmaüs parlaient encore aux 11, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux. Oui, fils et filles du bon Dieu, lorsque lui-même l'avait dit, lorsque vous
un ou deux sont réunis en mon nom, je serai là. Fils et filles du bon Dieu. Réunis au nom de Jésus-Christ. En parlant de Jésus-Christ, le Seigneur est toujours au centre de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, comme aujourd'hui, avec les disciples d'Emmaüs, au milieu des apôtres, en train de raconter ce qu'ils ont vécu. Et Jésus est là, au milieu d'eux, fils et filles du bon Dieu. Manifestement, les onze, comme tous les autres jusqu'ici, sont incrédules. Le doute est noté par tous les récits. Oui, fils et filles du bon Dieu, le doute demeure dans notre cœur. Il nous arrive très souvent, nous également, nous puissions douter, même de l'existence de Dieu, même des merveilles du Seigneur. Nous doutons très souvent, mais à travers le doute, revenons à l'essentiel, au Seigneur, je doute, aide-moi, viens éclairer ma foi. Oui, fils et filles du bon Dieu, nous avons besoin de la lumière à travers les doutes de notre vie, parce que les doutes envoient chacun de nous vers l'obscurité. Voilà pourquoi que le Seigneur puisse illuminer chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, pour ces sémites qui n'ont même pas l'idée d'une distinction du corps et de l'âme, si Jésus est vivant, ce ne peut être qu'avec toute sa personne pour eux. Ils peuvent s'assurer que ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un ditengu, mais c'est Jésus qui est bel et bien ressuscité dans sa transfiguration à travers ce qu'il est aujourd'hui. Oui, fils et filles du bon Dieu. Même si c'est difficile à imaginer, il faut dire que la résurrection n'est pas seulement une survivance spirituelle. Le corps de Jésus est ressuscité et à travers lui, c'est toute la création, tout le cosmos qui est transfiguré. Oui, l'univers matériel lui-même est assumé, pénétré par l'Esprit de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire avec la force qui le rend capable de se soumettre toutes choses, dira Saint Paul, Philippiens le chapitre 3, verset 21. Fils et filles du bon Dieu. Oui, le Seigneur est là pour chacun de nous. Si nous prenons au sérieux la résurrection, le Seigneur prendra au sérieux également notre vie. Cela nous engage à travailler dans ce sens, fils et filles du bon Dieu. Nous aimer les uns les autres, sauver l'homme, sauver l'univers, aider l'autre, partager l'autre, soulever l'autre, porter les situations difficiles de l'autre en le soumettant totalement à Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui. Oui, aujourd'hui nous vivons cela dans l'Eucharistie. Une parcelle de l'univers, un peu de pain et de vin, est ainsi assumée par le Christ, soumise au Christ, comme dit Saint Paul, pour devenir le signe de la présence du ressuscité et nous transformer peu à peu nous-mêmes en corps du Christ. Fils et filles du bon Dieu, Jésus veut restaurer nos vies. Jésus veut que nous puissions ressuscité avec lui, c'est aujourd'hui que nous devons vivre cette résurrection à travers les actes de foi, en nous aimant les uns les autres et surtout aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. Fils et filles du bon Dieu, ce que tu fais sur la terre, le bien, c'est ce que tu vas récolter. Tout ce que nous sèmons aujourd'hui, on les récolte, comme le dit Romains le chapitre 14. Oui, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants, fils et filles du bon Dieu. Et préparons aujourd'hui déjà notre place pour le royaume des cieux par les actes de charité, fils et filles du bon Dieu. C'était le Père Paul, Jesse Tounou, depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo. C'est Saint-Michel de la gloire, ici, dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipe Yayo et Tokos de la résurrection en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Que la résurrection de Christ restaure vos vies, fils et filles du bon Dieu. Merci Seigneur.
la devise, dans la devise.